Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On a déjà vécu une célébration super puissante, donc je vous invite à être prêts à recevoir quelque chose de bon ce matin. Ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte, et pour ça j'ai envie de commencer par un passage qui définit la Pentecôte, un classique, acte 2, versets 1 à 4. Je vous invite à prendre vos Bibles si vous voulez lire avec moi. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Je vous invite à être attentif à cet Esprit Saint ce matin. Jean-Luc est chaud, l'équipe de l'OG est chaud, donc allez-y. Et on a le droit de chanter. Yes, ça fait tellement plaisir de pouvoir rechanter avec du monde. Ça fait plaisir d'être là aussi avec vous en live. Et je vous invite vraiment à ce matin à donner toute votre louange à Dieu, à donner votre cœur et à vraiment tout donner pour Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Il est si glorieux, il est victorieux, et il ne change pas, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse
ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Et tu es sans rival. Oh, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Toi seul et saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul et saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, car toi seul. Car toi seul es saint. Tu es saint, trois fois saint. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, une dernière fois, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Je viens vers toi. Je sens ta main, tu me
Chantons, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un père. Reçois ma prière. Tu es ma de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout je vais chanter ta gloire.
sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta de tout cœur, Seigneur, on veut chanter ta louange, peu importe les circonstances. Mon cœur s'écrit, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon j'entends mon cœur s'écrit de tout notre cœur. Mon cœur s'écrit, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Et pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter. Que vous soyez dans la salle ou alors à la maison, à que vous puissiez chanter en langue. Ta louange de tout.
Alléluia. J'aimerais vous inviter à rester debout. J'aimerais inviter les gens qui sont à la maison, là où vous êtes, à juste pouvoir vous mettre un moment à l'écoute de ce que Dieu veut dire ce matin. On veut accueillir sa présence et je sais que Dieu a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous ce matin. Alors qu'on est dans ce dimanche de la Pentecôte, ce dimanche où l'Esprit de Dieu s'est déversé sur les disciples, aujourd'hui ce même Saint-Esprit, il est là et il veut te rejoindre. Mais je voyais que le Seigneur me montrait qu'il y a des mensonges qui se sont comme installés dans nos vies, qui sont devenus comme des vérités, qu'on a fini par accepter et qui nous empêchent d'être pleinement dans cette vie que le Saint-Esprit veut pour nous. Et ce matin, j'ai envie de dénoncer ces mensonges, j'ai envie de prier pour que ces mensonges puissent être liés, parce qu'on veut rentrer dans toute la plénitude de ce que Dieu a pour nous. La première chose que Dieu me montrait ce matin, c'est qu'il y a des gens qui ont peur que s'ils se lâchent pleinement dans ce fleuve du Saint-Esprit, il y a des choses bizarres qui vont se passer, il y a des choses étranges qui vont se passer. Et ces choses, elles t'ont comme enfermé, elles t'ont comme retenu. Mais le Seigneur te dit ce matin, je suis bienveillant, je suis un Dieu qui t'aime, je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je ne suis pas là pour te surprendre, je ne suis pas là pour te faire peur, c'est des mensonges que l'ennemi a voulu faire croire. Peut-être que c'est quelque chose que tu as accepté toi, peut-être que c'est un héritage spirituel que tu as sur ta vie. Mais on veut ce matin le lier dans le nom de Jésus. J'ai vu un autre mensonge qui empêche certaines personnes de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu, c'est un mensonge d'infériorité. L'ennemi a réussi à te faire croire que tu ne mérites pas, que tu es moins que les autres. Et j'ai envie de te dire ce matin, tu es fils et fille de Dieu. On a tous la même identité, on est tous les mêmes et on mérite tous la même chose. Et ce matin, où que tu sois, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, elle est pour toi. Et même si l'ennemi t'a fait croire que ton parcours, que ta vie t'empêchait de rentrer dans cette plénitude de son esprit, j'ai envie de te dire, c'est un mensonge. Le Saint-Esprit est là ce matin, il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Il désire rentrer, il désire prendre toute la place. Et on veut lier ces mensonges. Et si tu es conscient d'un de ces mensonges sur ta vie, si tu as cru un de ces mensonges, alors décide maintenant de changer, d'écouter ce que l'Esprit de Dieu veut te dire, de refuser ces mensonges. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans le ciel. Et nous voulons, dans le nom de Jésus ce matin, lier ces mensonges. Ces mensonges en lien avec cette plénitude de ton esprit. On veut s'y opposer dans le nom de Jésus. On veut lier ces mensonges d'infériorité. On veut lier ces mensonges de peur dans le nom de Jésus ce matin. Et on veut proclamer et appeler chacun à la liberté des enfants de Dieu, à cette pleine liberté à laquelle tu nous appelles. Saint-Esprit, on veut accueillir ta présence ce matin. Alors qu'on est ici ensemble, alors qu'on est dans nos maisons, on veut accueillir ta présence, cher Saint-Esprit, et on veut se laisser impacter par toi. On veut vivre dans cette plénitude, dans cette puissance que tu nous donnes, et nous voulons marcher dans les choses que tu as prévues pour nous. Amen. J'ai la joie ce matin d'accueillir Jean-Luc, qui va nous apporter le message. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs. Je crois que Dieu a quelque chose de particulier. Au travers de ce message, au travers du temps de ministère, recevons ce que le Saint-Esprit veut nous donner ce matin. Bienvenue Jean-Luc. Bonjour à tous. C'est une joie d'être ici. J'avais 3 invitations pour ce week-end. Et puis déjà certaines depuis l'année passée qui ont été repoussées à cause du Covid. Et puis, entre autres, une grosse conférence en dehors de ce pays. Et je sais pas, j'attendais de répondre. Et puis, tout d'un coup, le bureau du GCO m'ont écrit et je savais que je devais être ici. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici en famille ce matin, mais aussi très plaisir de rejoindre tous ceux qui nous regardent sur Internet. Je sais que vous êtes plus nombreux que dans cette salle, puisqu'on est limité, toujours au niveau technique ou des règles du Covid. Et j'aimerais dire que autant vous qui nous regardez que vous qui êtes ici, on est ensemble, on fait partie du corps de Christ. Et je prie que ce qui va se passer dans cette salle va se passer la même chose là où vous êtes. Dans tous les cas, bienvenue. Cette semaine, on a eu une semaine extraordinaire. À l'Ascension, on a eu la conférence présence, cette conférence de guérison. C'est plus de 1,5 million de personnes qui nous ont suivis de 120 nations.
et on a vu des guérisons juste extraordinaires. Si vous avez manqué cette conférence, j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez encore vous inscrire. C'est spécial, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, tous les jours, on a des centaines de personnes qui s'inscrivent, alors qu'on en a eu beaucoup qui ont suivi. Et vous pouvez simplement, vous inscrivant sur le site laguérison.org, recevoir gratuitement les liens pour avoir accès à tout ce qui a été partagé. Tellement de richesses, autant pour ceux qui parlent l'anglais que pour ceux qui parlent le français, puisque ça a été traduit dans près de 10 langues. J'aimerais vous lire quelques témoignages, parce que je crois que ce matin, et d'ailleurs cette conférence, tout s'est fait depuis ici. Et ça a touché les nations du monde entier, parce que c'est l'appel de cette église, c'est l'appel de ce mouvement Gospel Wave, pas juste d'être là dans un bocal à avoir du plaisir ensemble, mais avoir du plaisir ensemble pour pouvoir toucher les autres. Et entre autres, j'aimerais partager quelques témoignages de guérison, parce que je sais que ce matin, dans ce lieu, il va y avoir des guérisons, y compris pour vous qui nous regardez à la maison. Dieu va vous guérir dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui nous révèle Jésus qui sauve, mais il est aussi celui qui veut nous révéler Jésus qui nous guérit. Je sens l'onction, les amis de l'oncle de la louange. Il y a une onction qui va venir sur vous durant ce message d'une façon nouvelle. Je sens ça, j'ai senti ça pendant le temps de la louange. Soyez prêts, pas à cause de moi, pas quand j'élève la voix ou autre, mais ouvrez-vous à l'Esprit de Dieu. Il y a une onction fraîche qui va venir sur vous, parce que ce son de la musique, de la louange, va sortir de ce lieu pour toucher au-delà de ces quatre murs. Un des témoignages, c'est une des personnes qui écrit qu'elle a eu une guérison de maux de tête persistants. Certains disent, mais c'est rien du tout, des maux de tête. J'aimerais dire que ceux qui ont des douleurs telles que cette personne depuis 18 ans, non-stop des douleurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Instantanément guéri, on donne la gloire à Dieu. Une autre personne a été guérie d'un problème de sciatique, j'en lis juste quelques-uns, mais tant de personnes ont été touchées. Un miracle qui a pris place, c'est une maman qui, suite à une rupture d'anévrisme, est tombée dans le coma, et pendant 3 semaines, elle était dans le coma. Et quelqu'un a suivi la conférence, était avec elle au bord de son lit. Et au moment où nous avons prié, elle s'est réveillée, elle a été entièrement guérie et elle a pu sortir de l'hôpital. Vous voyez, ça c'est un magnifique témoignage. Un autre témoignage aussi, c'est une personne qui a été violée sexuellement et qui, lors de la soirée, était sur le point de se suicider. Et elle nous regardait en direct et l'Esprit de Dieu est venu sur elle. Et l'onction de Dieu l'a libérée, lui a poussé à pouvoir pardonner à celui qui lui avait fait du tort. Et elle a été libérée des maux de tête, de douleur, d'oppression. Elle s'est donnée à Jésus, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas magnifique? D'autres guérisons de problèmes de dos, plusieurs personnes de tinnitus, les acouphènes. Et je sais ce matin qu'il y a en tout cas dans cette salle 2 personnes qui souffrent d'acouphènes que le Seigneur va libérer. La même chose pour vous qui nous regardez à la télévision. Si vous avez des problèmes d'acouphènes, Dieu va vous libérer. La même chose que le témoignage que vous lis maintenant, c'est une personne qui était paralysée, déformée au niveau de l'arthrite. Et pendant la soirée, pendant le temps de prière, comme on va le faire maintenant, elle a été entièrement guérie, puis sortie de la chaise roulante. Ses organes, comment on appelle ça? Je dois traduire, parce que je parle la plupart du temps en anglais actuellement. Ses membres se sont redressés et elle a pu marcher correctement. Ce matin, si vous avez besoin de guérison ou pas, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et vous qui êtes à la maison, j'aimerais vous inviter à vous ouvrir à l'Esprit qui est celui qui veut vous guérir. Si vous êtes malade ce matin, que ce soit dans cette salle ou à la maison, j'aimerais vous inviter à poser la main sur la partie de votre corps malade. Pour les autres, j'aimerais vous inviter à prier pour ceux qui ont besoin d'une guérison, que chacun puisse être actif, mais ceux qui doivent recevoir, simplement recevez. Ne priez pas, juste posez la main. Et c'est là maintenant, ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ces corps malades au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, sur vos corps. J'ordonne à tout organe, membre, service, ces systèmes nerveux sont en train d'être guéris. Je sens dans cette salle et plusieurs sur le live sont en train d'être touchés au niveau du système nerveux. C'est comme l'onction de Dieu qui est en train de venir sur votre système nerveux qui est à fleur de peau. Et certains sont en train de faire une crise de nerfs. J'ai une bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu est en train de venir sur vous et de vous donner la vie et la vie en abondance. Soyez guéris
l'esprit, des problèmes de l'estomac, problèmes intestinaux, problèmes digestifs. Au nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu. Tous ceux qui ont des polypes, c'est ça. Polypes sont en train d'être guéris et de disparaître en cet instant. J'opère par la puissance du Saint-Esprit ce don de faire des miracles, ceux qui ont besoin d'un miracle. Je libère l'onction de Dieu maintenant afin que vous puissiez sortir de vos chaises roulantes, sortir de la paralysie, quitter la maladie, quitter la douleur. Et ceci ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Et je prie pour tous ceux qui sont pris par la déprime, le burn-out, la dépression. Saint-Esprit, tu es celui qui porte la paix et la joie. Alors je te demande d'envahir tous les malades, tous ceux qui ont besoin d'une paix dans leur cœur et dans leur esprit, dans leur tête. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence puisse vous envahir là où vous êtes, dans cette salle ou à la maison. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Amen et amen. Que quelqu'un crie un grand Alléluia. Et je vous invite à prendre place. Je sens l'onction de guérison et je veux aller dans le message, le temps est limité. Et j'aimerais dire ceci, cette semaine, nous avons une soirée miracle et guérison en français. Donc ne ratez pas, allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez toutes les informations. Merci beaucoup au groupe de louanges, ça fait plaisir d'avoir du live avec tous les instruments. Pas de player juste sur un record, on vous aime beaucoup et ça nous fait plaisir. Ce matin, j'aimerais pouvoir aller avec vous directement dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 25, versets 1 à 13. C'est évident, quand on m'a demandé de prêcher aujourd'hui, premièrement, c'est un grand honneur. Merci beaucoup, Nicolas et Caro, de l'invitation. C'est toujours un privilège de pouvoir prêcher dans sa propre église. Et aussi une responsabilité, j'ai pris vraiment ceci au sérieux et c'est sûr que le premier message quand on parle de la Pentecôte, je veux parler de la Pentecôte, je veux parler du Saint-Esprit, du feu et entre autres ce meilleur ami qui est le Saint-Esprit que j'ai découvert. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, à 6 ans j'ai été baptisé de ce Saint-Esprit et c'est vraiment à l'âge de 16 ans que j'ai eu un baptême de feu qui a fait que les choses ont changé dans ma vie. En préparant cette journée, j'avais l'impression que je ne devais pas reprêcher ce que j'ai prêché il y a une année. Donc si vous voulez avoir le bon message du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, allez sur YouTube, regardez le message que j'ai donné il y a une année, qui est juste l'introduction de ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ou un complément. Matthieu 25, verset 1 nous dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » J'aimerais dire que ce passage, ça fait plusieurs mois que je l'étudie, que je suis travaillé par ceci, que j'ai suivi notamment les commentaires aussi de grands théologiens. Aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir avoir accès à ceci. Et il y a beaucoup de contradictions. Et même à un moment donné, alors que j'étudiais ceci, il y a des choses qui me faisaient m'achoper. Et c'est la réalité de la parole de Dieu. Sans l'aide de ce merveilleux Saint-Esprit, on peut s'achoper. Il y a certains passages, certaines choses qu'on ne comprend pas au niveau intellectuel et qui peuvent même créer une crise ou de la colère ou de l'incompréhension. Mais grâce à ce merveilleux Saint-Esprit, alors que nous lui demandons de mettre sa lumière sur sa parole, il nous révèle ce merveilleux Jésus qui est la parole et il nous donne la ligne, la clarté. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais j'entends ces commentaires-là, les commentaires des uns, des autres, à vous dire que plusieurs théologiens sont en désaccord sur ce texte au niveau de l'interprétation. Et ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose que le Saint-Esprit m'a vraiment parlé. Entre autres, j'en ai parlé, j'ai appelé mon ami, notre ami Paul Hemmes, qui est docteur en sciences, en physique, mais aussi docteur en théologie. Et il m'a dit ceci, je cite,
C'est un texte riche et profond, mais qui ne se laisse pas facilement saisir. C'est plutôt lui qui doit nous saisir avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aimerais prier afin que l'onction de Dieu puisse descendre au milieu de nous aujourd'hui et pour vous qui êtes à la maison, et que cet Esprit de Dieu puisse se révéler à nous et que ce texte puisse se révéler, que ce ne soit pas juste une bonne prédication, mais que ce soit quelque chose qui change nos vies, qui change nos activités dans le nom de Jésus. Je te demande, Père, que tu puisses ce matin révéler ta parole. C'est pour ceci, Saint-Esprit, j'accueille ta présence. Tu es le meilleur des enseignants et nous sommes tellement reconnaissants qu'aujourd'hui nous te célébrons, nous célébrons ta venue sur terre, toi qui es là présent, qui représente cette Trinité et qui a été envoyé pour être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ceci que nous t'accueillons, mais nous avons besoin que tu nous aides à comprendre les Écritures, à comprendre la parole et à entendre avec pas seulement les oreilles physiques mais aussi spirituelles, à entendre la voix de Dieu pour qui veut nous parler pour aujourd'hui et pour ces temps. Dans le nom de Jésus, amen. Cette parabole, elle nous parle, selon la coutume juive, d'une procession qui se passait, et là entre autres avec 10 vierges, qui allaient à la rencontre du marié qui devait venir. Et ensemble, ils allaient dans la maison pour célébrer le banquet avec son épouse. Cette parabole, elle comprend deux types de personnes, les sages et les folles. Et ce sont exactement les mêmes mots utilisés dans ce chapitre, les mêmes mots qui sont utilisés par Jésus lorsqu'il parle du fou qui construit la maison sur le sable et le sage qui construit sa maison, qui construit sa vie sur le roc. Ce qui est important de retenir à travers cet enseignement essentiel, c'est la chose la plus importante, c'est le fait d'être prêt. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Soyez prêts, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Cette parabole est aussi en continuation directe et liée directement avec les enseignements que Jésus donnait. Il est important, quand on ouvre la Bible, c'est de ne pas juste prendre un texte comme ceci, parce qu'un texte hors de son contexte peut devenir un prétexte. Et c'est la raison pour laquelle, si vous lisez les chapitres avant ce passage qu'on vient de lire et les chapitres après, vous verrez que c'est dans le contexte où Jésus parle de la fin des temps. Il parle de ces temps qui seront où les faux prophètes, et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui, les faux prophètes qui séduisent les croyants, une nation qui s'élève contre une autre, un royaume contre un autre. On l'a vu ces jours avec la Palestine et Israël, des famines, des tremblements de terre. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. L'iniquité sera accrue. La détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil et beaucoup d'autres. Et si vous regardez les news, nous sommes dans une saison où il n'y a jamais eu autant de détresse sur cette terre. Vous regardez la situation en Inde, vous regardez la situation économique dans d'autres pays. Et rien que par exemple le Mozambique, pour ceux qui ont suivi la conférence avec le live de Heidi Becker, elle nous parlait que le nord du Mozambique est actuellement envahi par un sous-groupe d'Al-Qaïda qui tous les jours tue des centaines, voire des milliers de chrétiens. Certains sont crucifiés, décapités, et entre autres le témoignage d'un de ces pasteurs qui est arrivé la semaine passée, il s'est enfui parce qu'ils avaient envahi le village. Lorsqu'il est arrivé, il a retrouvé sa maison qui a été brûlée, son église qui avait été brûlée, sa femme qui avait été tuée, les trois enfants tués également, et puis son dernier de 4 ans, décapité et coupé en morceaux devant la porte de l'église brûlée. Tout ceci pour dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation comme la Bible le parle. Maintenant, rassurez-vous, les amis, je ne suis pas là ce matin, le jour de la Pentecôte, pour venir parler de la fin des temps dans une façon négative et pessimiste, comme on peut le voir sur certaines prédications de YouTube. Mais je suis là pour vous dire une des choses que je suis convaincu, c'est qu'aucune doctrine de la fin des temps n'est biblique en parlant que des catastrophes, sans parler et mettre l'emphase sur l'action de Dieu, à savoir que dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout chair. Et qu'avec cette effusion du Saint-Esprit, il y aura une grande moisson d'âmes. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans cette salle où vous êtes à la maison. Il va y avoir dans les prochains temps une moisson d'âmes sans précédent. Vos enfants, vos parents, vos familles, vos voisins vont se tourner vers le Seigneur. Cette salle, alors qu'on est limité à 50 personnes, elle sera beaucoup trop grande à travers les centaines et centaines de personnes qui viendront parce qu'ils ont faim et soif
soifs et qu'ils veulent juste rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, une des choses qui est accompagnée, l'effusion, la moisson, c'est que Jésus va bientôt revenir. Mon épouse qui est là et que je salue, que j'aime tellement, elle a souvent dit ceci. Elle a dit, tu sais, Jean-Luc, il y a une réalité, c'est que ces prédicateurs qui parlent de la fin des temps, c'est ceux qui ont pris de l'âge. J'aimerais juste vous dire une chose. Je viens de fêter mes 50 ans, mais je me sens jeune. J'ai plein de projets, plein de visions, et je ne vois pas le futur en noir, je le vois glorieux, extraordinaire, et où Jésus va bientôt revenir, mais ça va être puissant et pas pessimiste. Aujourd'hui, en fait, le jour de la Pentecôte, j'étais d'ailleurs cette semaine avec le concile de Empower 21, qui est cette organisation qui regroupe les mouvements de Pentecôte du monde entier, tous à l'unanimité, sans exception, ont la conviction qu'aujourd'hui même, il va y avoir une nouvelle effusion de son esprit sur son Église. C'est pour ceci que j'aimerais vous inviter, chers amis, vous qui êtes dans cette salle, vous qui nous regardez à la maison, de vous ouvrir à l'onction du Saint-Esprit qui veut venir sur vous d'une façon fraîche, nouvelle, avec un nouveau feu dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire ceci par rapport à ce passage, que cette parabole des 10 vierges, elle représente les personnes sauvées, c'est-à-dire l'Église. Et ce n'est pas une question de salut que Jésus nous enseigne, mais c'est une question d'être trouvé en feu pour partir avec lui lorsqu'il viendra nous chercher. Et ceci est un sérieux avertissement. Aujourd'hui, je ne viens pas avec un message condamnant, jugeant, mais je suis sincère avec vous. J'entends l'Esprit de Dieu qui dit « Jésus revient bientôt ». Préparez-vous, remplissez vos lampes, c'est sérieux et nous prenons cet avertissement avec sérieux afin de garder nos lampes allumées pour partir avec lui lorsqu'il reviendra. J'aimerais dire ceci, j'ai donné ma vie à l'âge de 5 ans, ça fait 45 ans que je suis Jésus-Christ. Je n'ai jamais regretté ceci, c'est la plus belle décision que j'ai prise. Mais plus j'avance, plus je suis amoureux de ce Jésus. J'aime Jésus, je l'aime de tout mon cœur, ma force et ma pensée. Et il y a une chose que je ne veux pas rater, c'est que le jour de l'enlèvement, je veux partir avec lui pour vivre ses noces. Jamais de jamais je peux m'imaginer de rater ces temps où je puis fêter avec lui les noces de l'agneau. J'espère que c'est votre cas et je le crois, et ceux qui nous regardent la même chose. C'est pour ceci que ce matin, je vous parle de cette parabole des 10 vierges qui représente le corps du Christ aujourd'hui. 10 folles insensées et 10 sages, 10 charnelles et 10 spirituelles. Parlons un moment de ce que la Bible nous dit concernant ces vierges folles. Vous irez dans la parole de Dieu. Je ne peux pas donner tous les versets parce que ce serait trop compliqué, mais ce que je vais lire pour ne pas me perdre, eh bien, c'est nous le trouvons dans la parole de Dieu. La Bible parle de ces fous, de ces insensés. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, Proverbe 1:7. Elles ne sont pas disposées à fournir les efforts nécessaires pour obtenir les choses essentielles. Les insensés ignorent les conseils et s'offensent lors de la correction, Proverbe 11:14. Elles ont toujours raison à leurs propres yeux et sont ancrées dans des idées personnelles. Elles entendent, mais ne suivent pas la parole de Dieu. Elles inventent toutes sortes de prétextes et d'excuses pour dire que les commandements et les enseignements donnés dans les Écritures ne s'appliquent plus à nous aujourd'hui. Elles arrangent la parole de Dieu à leur façon pour essayer d'avoir bonne conscience alors qu'elles vivent dans le péché. Elles vivent leur vie de tous les jours, mais ne sont pas conscients des dangers de l'apathie spirituelle qui d'ailleurs a sévi sévèrement durant cette pandémie 21 et nous devons nous débarrasser de cette apathie spirituelle dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est d'accord, il peut dire Amen ou Alléluia. Et vous qui êtes à la maison, pourquoi pas l'écrire Alléluia, Amen. Sortez de cette apathie, mettez-vous en mouvement. D'une façon pernicieuse, elles font des compromis, résistent au Saint-Esprit qui s'éloigne et s'éteint pour laisser place à des pensées égoïstes, des actions souvent vaines et immorales. Galates 5, 19, 21. Les péchés sexuels, les disputes, les hérésies, les divisions se multiplient. 1 Corinthiens 1, 10 à 17. Alors qu'est-ce que nous dit la Bible concernant les vierges sages? Jésus explique que les sages sont celles qui ne se contentent pas d'écouter. Ces enseignements
ils les mettent réellement en pratique. Matthieu 7, 24, 29. Ils sont remplis, c'est ces vierges sages, elles sont remplies, zélées, en feu pour le Seigneur. Et ça se voit et ça s'entend. Elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles craignent Dieu, elles aiment leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Le royaume de Dieu est leur priorité. Et elles cherchent la connaissance, la sagesse et la compréhension du royaume de Dieu et des choses d'en haut. Proverbe 4, vous pouvez en lire à tellement d'endroits. Les lampes des vierges sages brûlent avec éclat et ne s'éteignent pas parce qu'elles ont pris de l'huile avec elles. Le fruit est reconnaissable, donnant gloire à Dieu. Elles aiment Jésus, sa parole plus que toute autre chose, et le servent de tout leur cœur, faisant briller sans honte, ni retenue, ni peur. Et avec une, même s'il y a certaines oppositions, persécutions, elles font briller leurs lampes et leur lumière autour d'eux. Karl Barth, qui était ce pasteur réformé, grand théologien de la Suisse, disait ceci: le témoignage de notre foi, c'est d'avoir le Christ vivant dans son cœur et l'huile du Saint-Esprit qui rend ce témoignage vivant. Un des défis dans cette parabole, c'est que l'époux tarde. À travers les âges, on voit que de nombreuses personnes ont essayé de prédire ou de dire la fin des temps ou le retour du Christ. Même les premiers disciples, vous pouvez le lire dans Luc 19, 11, ils pensaient que Jésus allait revenir encore de leur vivant. Cependant, la Bible nous montre clairement, dans de nombreux passages, qu'il y aura une longue attente. Matthieu 24, 48, 25, 5, etc. Regardez la parole de Dieu, elle en parle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont vraiment enthousiastes lorsqu'ils commencent à découvrir le Christ, la vérité, mais ils s'affaiblissent par la suite. Jésus a prévenu que certains finiront par ignorer et violer les commandements et qu'ils se laisseraient emporter dans les voies du monde. C'est ce qui est en train d'arriver malheureusement pour tant de personnes. Il a aussi averti que certains trébucheraient, abandonneraient la foi à cause des épreuves et des persécutions. Les pasteurs qui sont là, j'aimerais d'ailleurs honorer Jean-Michel, il m'a partagé juste un moment le travail qu'il faisait en allant visiter les gens et les autres, combien c'est tellement précieux d'être dans cette église et de pouvoir fonctionner dans la complémentarité des ministères. Et une des choses que personnellement je vois, le nombre de gens qui durant cette pandémie ont trébuché, voire ont quitté la foi, ont été découragés, abandonnés. C'est ce que la Bible dit. Et puis en plus de ceci, c'est que beaucoup d'autres se dirigeront vers les richesses temporaires du monde. Matthieu 13, 18 à 23. Ils font des compromis, ils ne parviennent pas à discerner la vérité de l'erreur. Ils laissent leur réserve d'huile, l'Esprit de Dieu diminuer et s'épuiser. Et ils n'ont pas de vraie relation avec Jésus. C'est une foi religieuse, intellectuelle et pas vécue. Une foi qui est morte, qui s'éteint et qui n'est pas vraiment allumée. C'est la raison pour laquelle, chers amis, plus que jamais, nous avons besoin d'un nouveau baptême du Saint-Esprit et de feu, aujourd'hui même, le 23 mai 2021. Plus que jamais, nous avons besoin que Dieu remplisse pas seulement nos lampes, mais qu'il puisse remplir nos jars et qu'il puisse nous remplir les vases qui sont à côté afin que nous puissions être prêts lorsqu'il va venir. Et nous avons besoin de ce merveilleux Saint-Esprit, car c'est lui qui est cette onction. C'est lui dans toute la Bible qui est représenté comme l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette huile et c'est la raison pour laquelle dans 1 Samuel 10, chapitre 10, versets 1 à 6, lorsque Saül et David furent choisis comme rois, Samuel les oignit d'huile et l'Esprit de l'Éternel entra en eux. L'Esprit de Dieu, chers amis, est un élément dynamique, est une personne dynamique qui descend, qui coule, qui monte dans notre vie. Et c'est ce qu'il désire faire aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je déclare sur cette église, je déclare sur vos vies et vos familles, et vous qui nous regardez, je déclare que c'est le temps d'un déconfinement spirituel. C'est le temps où l'Esprit de Dieu va venir nous envahir, comme la sève est montée pendant l'hiver dans ces arbres qui étaient morts, qui avaient perdu les feuilles, et qui gentiment monte le long du tronc pour aller jusqu'au fin fond des branches, afin que de nouvelles feuilles fraîches, des nouvelles feuilles magnifiques avec des fleurs extraordinaires puissent fleurir, jaillir
pour un nouveau printemps et qui vont être transformés dans peu de temps en de magnifiques fruits qui vont glorifier Dieu. Chers amis, c'est le temps de ce déconfinement spirituel où l'Esprit de Dieu veut venir en vous, vous saisir d'une façon nouvelle, vous monter, descendre, envahir toutes les parties de vos vies, y compris cette église où il va y avoir de nouvelles feuilles fraîches, des nouvelles fleurs qui vont rendre gloire à notre Dieu. Et ceci, pas seulement pour cette église, mais pour vous qui nous regardez à la maison. Et pas juste pour les communautés, mais aussi pour les familles. Une visitation du Saint-Esprit, accompagnée de son habitation perpétuelle, continuelle, qui fait que l'onction coule et où la fraîcheur puisse revenir. J'aimerais vous dire, on a vécu ces temps qui n'étaient pas faciles, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et pour ceux qui ont faim et soif de son onction, pour ceux qui sont sages, Dieu va déverser son esprit sur nous d'une façon nouvelle et fraîche, comme je l'ai dit. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Une vie chrétienne sans passion est une vie sans mission. C'est pour ceci que le Saint-Esprit veut descendre sur nous avec son feu, afin que nous puissions amener l'Évangile rempli d'espoir à cette génération. Et j'aimerais vous exhorter, vous encourager, comme l'apôtre Paul exhortait Timothée en disant « Ranime la flamme du don de Dieu ». J'aimerais vous encourager, chers amis, à crier à Dieu, à demander sa grâce et sa miséricorde pour qu'il puisse nous aider à ranimer le don de la flamme de Dieu en nous, dans nos familles, dans nos activités. En conclusion, alors que j'aimerais avoir le groupe de louanges parce que j'arrive au bout, il me reste quelques minutes et j'ai respecté. Dieu soit loué qu'il m'a aidé pour ce miracle. Soyons cette église qui est prête, faisant partie des vierges sages, remplie du Saint-Esprit, sanctifiée, mature, une église unie à lui par l'intimité du Saint-Esprit. Car ce n'est pas la lettre, mais bien l'Esprit de Dieu qui vivifie et qui prépare l'église à être prête pour le retour de Christ. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. J'aimerais vous inviter à vous lever. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je l'ai transmise du mieux que je pouvais, mais je sais que celui qui fait toute la différence, c'est toi, Saint-Esprit. Sans la batterie, avec beaucoup de douceur, et qu'on puisse juste couler dans ceci, m'attendant à ce que l'Esprit de Dieu puisse venir. Moi, il me reste quelques minutes, mais lui, comme le jour de la Pentecôte, soudainement, il peut venir sur vous. Alors, ouvrez vos cœurs, ouvrez-vous à lui, là où vous êtes, ouvrez votre esprit à lui, sortez de ce confinement, rentrez dans ce déconfinement spirituel en devenant actif. Pour ceux qui nous regardent à la télé, dites « Je veux sortir du déconfinement spirituel ». Écrivez-le sur YouTube, sur Facebook. Restez pas juste dans votre canapé à prendre l'apéro. D'ailleurs, dans peu de minutes, je vais prendre l'apéro aussi. Mais maintenant, juste marquez « Je veux sortir du déconfinement spirituel ». Dites-le vous-même, vous qui êtes ici. Et alors que vous êtes là, j'aimerais vous inviter à pas juste à me regarder, mais à vous ouvrir et à crier à lui pour qu'il puisse vous toucher. Si c'est vraiment le cas, ouvrez votre bouche, dites-lui. Dites-lui que vous voulez recevoir ce baptême du Saint-Esprit et son onction. Et j'aimerais dire ceci, une des plus grandes folies de l'humanité, c'est de croire que l'on n'a pas besoin de Dieu. Ou, comme beaucoup, c'est de croire en Dieu, mais quand même de faire comme on veut. Aujourd'hui, j'aimerais encourager chacun à ne pas faire partie de ces vierges folles, mais à devenir sage, parce que c'est 50 et 50. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter là où vous êtes aujourd'hui. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, la chose la plus belle, la plus importante, c'est de vous tourner vers lui, de croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est mort pour vos péchés, vos maladies, et qu'il est ressuscité, vivant aujourd'hui, afin que si vous invoquez son nom, vous pouvez être sauvés, vous et votre famille, maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Mais j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont vécu dans le compromis, tous ceux qui se sont refroidis, tous ceux qui sont rentrés dans une apathie spirituelle. Et beaucoup nous regardent ou vont regarder durant les prochains jours. Mais il y en a aussi qui sont ici. J'aimerais vous inviter, par la grâce de Dieu,
Alors que notre Dieu est un Dieu bon, qui nous aime, qui veut le meilleur pour nous et qui veut passer les noces avec nous, eh bien c'est juste de se repentir, de changer de direction et de remettre les bonnes priorités, de remettre le royaume de Dieu et sa justice en priorité dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos familles, de remettre Dieu au centre de nos vies, remettre Jésus au milieu et qu'il soit tout pour nous. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ou que vous êtes éloigné, que vous êtes refroidi, aujourd'hui est le jour du salut. Et j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à répéter après moi cette sainte prière en disant « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité, que tu es vivant et j'ai besoin que tu me sauves. Sauve-moi, pardonne tous mes péchés, pardonne-moi de m'être éloigné, de m'être refroidi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi et te demande grâce et miséricorde. » Et j'aimerais dire que cette petite phrase, elle nous concerne tous. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous, afin qu'on soit trouvés en feu lorsqu'il reviendra. Et si c'est ce que vous voulez, simplement commencez à ouvrir votre bouche. Vous qui nous regardez à la maison, si vous avez fait cette démarche avec Jésus, j'aimerais simplement vous inviter à écrire sur le chat. Dites simplement « Je donne ma vie à Jésus » ou mettez une main, un cœur, une prière. Simplement l'exprimer. La Bible dit « Si tu confesses Dieu devant les hommes, il te confessera lorsque tu seras vers lui. » Alors simplement, mets-le, écris-le, reste pas passif. Et pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus ici, je vous invite après la célébration d'aller trouver un pasteur et de lui demander de l'aide pour aller plus loin. Mais pour tous les autres, et ça sera ma conclusion, alors qu'il me reste 4 minutes et 43 secondes, ça me suffira pour faire une prière. Et si vous êtes ouverts, vous allez recevoir ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui sont prêts, j'aimerais que vous bougiez les mains. Sortez du déconfinement. Commencez à bouger. Sortez, faites, parlez. Et c'est pour ceci, Seigneur, que tu dis que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous êtes repenti, eh bien c'est pour vous maintenant. Alors que nous avons les mains en l'air comme un aspect de recevoir, la même chose pour vous qui êtes à la maison. Restez pas juste à lutter sur votre canapé. Pourquoi pas vous lever et vous mettre à genoux, les mains en l'air, et juste de commencer à crier à Dieu. Ça sera ma conclusion. J'aimerais vous inviter que vous criez à Dieu qu'il vous baptise ce matin de son Saint-Esprit, de son feu. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de nous baptiser ce matin de ton Saint-Esprit et de ton feu. Et que personne ici ne ressort la même chose, y compris les enfants, les bébés, je ne vois pas, mais ce matin, il y en avait. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, il déversera son esprit sur toute chair, sur les personnes âgées, les jeunes, les moins jeunes. Je prie qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit et une onction fraîche qui vient sur les jeunes de cette église et de cette région. Qu'ils soient en feu pour le réveil, à annoncer l'Évangile, à prêcher l'Évangile, à prier pendant la nuit pour les réveils, prier, intercéder pour que la grâce de Dieu vienne sur cette génération et sauve la multitude de multitudes. Mais que ceci ne reste pas aux jeunes, mais envahisse l'ensemble de l'Église. C'est pour ceci qu'ensemble, en tant que communauté, en tant qu'Église et vous qui êtes à la maison, nous te disons, Père, baptise-nous du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez le dire à haute voix? Père, baptise-nous du Saint-Esprit et de ton feu. Dites-le encore une fois. Père, baptise-nous du Saint-Esprit et de ton feu. Et je vous invite à lever vos mains et à commencer à ouvrir vos bouches et de faire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est venu sur eux avec des flammes de feu. Ils ont commencé à prier en langue, à chanter dans ces langues étrangères. Commencez à prier à haute voix, priez, priez, priez en langue. Et alors que vous priez en langue, je libère l'onction de Dieu sur cette salle, l'onction de Dieu sur vos vies, l'onction de Dieu à vous qui nous regardez à la maison. Recevez-le, 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 dans le nom de Jésus. Priez en langue. Molto pronto cosende rebereyanda. Molte prese rebereyanda rabababababan.
Rando. Mais je prête que c'est réveillé. L'onction de Dieu est en train de venir sur vous. Continuez à prier, fermez les yeux. Recevez cette visitation de Dieu avec son feu. Molto poco rabarate que c'est réveillé. Yes, rarabaraya sarababanda, karababababa sarabanda. Jesus, brato kosoroboroboraya sarabababababa sanda. Vas-y seulement, vas-y, chante-le, chante-le. Avec les anges, chantons la gloire. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps que nous pouvons vivre avec toi. Et Saint-Esprit, ma prière, c'est que ce feu
qui s'allume dans nos vies puisse s'embraser de plus en plus. Alors qu'on va quitter ce lieu, qu'on va aller dans la semaine qui est devant nous. Saint-Esprit, que ce feu puisse être contagieux dans chacune de nos vies, qu'on puisse le partager, qu'on puisse le communiquer, que comme au jour de la Pentecôte, on puisse se lever et partager ce que tu nous as donné de meilleur, le donner à d'autres. On veut être ces personnes qui répondent oui à ton appel, qui se lèvent et qui vont. Et Seigneur, que chacune de nos vies puisse voir ce feu grandir et se développer. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Amen. J'aimerais faire quelques annonces. D'abord, l'offrande. Vous avez la possibilité de donner. Et on aimerait vous dire merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité. On est bénis de voir comment les choses fonctionnent et de voir Dieu à l'œuvre. Et merci pour ce que vous donnez de manière régulière. Et s'il y a des gens dans la salle qui aimeraient faire un don, vous pouvez mettre dans le coffre à l'arrière, vers la porte d'entrée. Parler de mode gospel diffusion. Donc vous pouvez soit passer à la librairie à la fin ou bien sur le site internet. Il y a plein de livres à disposition, mais ce matin j'aimerais en présenter deux. Le premier, c'est « Dans les coulisses d'un miracle » et l'auteur c'est Jean-Luc Traxel, l'homme qu'on a entendu ce matin. C'est un excellent livre qui nous parle de cette réalité d'un Dieu surnaturel et comment on peut marcher avec lui, comment on peut servir avec lui. Donc si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous encourage à le lire. Un deuxième, « Les langues après le jour de la Pentecôte » de Kenneth Hagin. Vraiment aussi, je crois, un livre qui nous permet d'aller de l'avant, de comprendre le plan de Dieu et ce qu'il désire qu'on puisse vivre. Mercredi soir, on aura notre soirée de prière par Zoom. Donc, je vous invite à nous rejoindre à 20h. Vous trouvez les liens soit sur le Mailchimp, soit sur le site internet. Et à 20h, on se retrouve sur Zoom pour prier, prendre une heure de prière ensemble. On se réjouit de voir ce que Dieu va faire. On prie pour cette église, mais aussi on prie pour notre région et pour différents sujets que Dieu met sur notre cœur. Dimanche prochain, on aura la joie d'avoir Jérémy Lehmann avec nous comme orateur. Et je sais qu'il sera au feu parce qu'il est avec les enfants actuellement au week-end. Et j'ai juste eu un retour avant comme quoi c'est vraiment un temps puissant qu'ils sont en train de vivre. Et j'ai juste lu un bout de message où il disait hier soir qu'ils ont passé 2 heures de temps dans la louange, dans la prière, dans le prophétique, avec des enfants qui ont entre 8 et 10 ans, mais juste des temps incroyables, puissants. Alors, venez dimanche prochain, vous allez avoir un orateur en feu et qui va communiquer ce feu du Saint-Esprit. On va continuer cette série sur les fruits de l'Esprit. Dès le mois de septembre, Jean-Luc et toute l'équipe de l'IMG mettent sur pied une nouvelle école de guérison. Alors, c'est l'occasion d'apprendre. La guérison, ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste que je sois guéri. Mais la guérison, c'est quelque chose que je peux communiquer à d'autres. Et partout où Dieu nous envoie, il y a des gens qui ont des besoins. Et on peut être ces personnes qui prient pour les malades, ces personnes qui font une différence. Alors, je vous encourage à regarder le clip qui va passer, mais pas seulement à le regarder, à vous inscrire à cette école et à pouvoir la suivre dès le mois de septembre. Inscrivez-vous, ça va être magnifique. C'était juste un plaisir ce matin de voir l'énergie qu'il y avait dans cette salle. Le Saint-Esprit agit. Parfois, on ne le voit pas, mais je vous le promets, il y a une puissance dont on ne réalise même pas. On ne peut même pas l'exprimer. J'ai posé une question à quelqu'un qui connaît bien la Bible et je lui ai dit, mais pourquoi quand je lis la Bible, des fois, je ne comprends rien? Et il m'a dit juste un truc qui peut paraître bizarre, mais rien que la langue. La langue française, c'est une langue d'analyse. L'hébreu, il y a des mots qui disent un mot et qui en signifient trois. Donc des fois, si vous avez peut-être une incompréhension dans la Bible, allez rechercher en hébreu, peut-être que vous allez avoir la révélation. J'ai envie de finir sur un passage dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, qui rejoint le message de Jean-Luc, qui dit que l'Église doit être prête à la fin des temps. « Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. »
Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine. Brillante et pure, la toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écris, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. J'ai encore juste envie de vous sortir une dernière phrase avant de conclure ce culte. C'est la mort, ce n'est pas un point final, mais une virgule, c'est le réveil de la mort. Donc soyons prêts, soyons en feu. Merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite un bon dimanche. Merci à la technique, soyez bénis.